Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 12 novembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Travailler dans la prière pour les nations ». Travailler dans la prière pour les nations. L'écriture du jour est le psaume chapitre 2, le verset 8. Le psaume chapitre 2, le verset 8 nous dit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit que la traduction message de notre verset d'ouverture dit ceci. « Que veux-tu ? Dis-le. Les nations comme un présent, les continents comme un prix. » J'ai vu ce verset pour la première fois lorsque j'avais 15 ans et j'ai prié au Seigneur selon cette écriture. En réponse, l'Esprit du Seigneur m'a dit « Je t'ai donné les nations ». À ce tendre âge, j'étais préoccupé par l'état épouvantable des non-croyants dans les nations du monde. Ils sont dans l'obscurité spirituelle et exclus de la vie de Dieu. Ils sont sans espoir et sans Dieu dans le monde. Alors, je me suis trouvé la carte du monde, l'Atlas, et plusieurs fois, je plaçais mes mains là-dessus, parlant et prophétisant sur les nations du monde et sur la vie des hommes. J'ai travaillé dur dans la prière pour les nécessiteux du monde. Je priais et pleurais, brisé devant le Seigneur. Oh, comme j'ai pleuré dans la prière pour les nations du monde. Depuis lors, j'ai su qu'aucune nation ne me fermerait ses portes. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire beaucoup de grandes choses à travers nous dans les nations du monde. Lorsqu'il dit « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage », il parlait de l'âme des hommes, les impacter avec l'Évangile et la justice de Dieu. C'est ce que les apôtres firent et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui et rien ne peut nous arrêter. Lorsque Paul prêchait la parole à Éphèse, il y avait bien sûr beaucoup d'opposition, mais elle n'était pas assez pour arrêter l'œuvre de l'Évangile. La Bible dit dans Actes chapitre 19, le verset 20, « C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » Le secret pour ce genre de résultat est de travailler dur dans la prière. Travailler dur dans la prière pour les nations, la ville, la commune, l'école, le lieu de travail, etc. Et sûrement, la parole de Dieu y croîtra en puissance et en force. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, ton amour me pousse à intercéder par des prières sincères et à prêcher l'Évangile aux perdus, les arrachant des ténèbres à ta merveilleuse lumière. La parole prévaut dans ma ville et ma nation et dans le monde entier, et le nom du Seigneur est glorifié. Amen. Alléluia. Pour plus d'études, je vous prie de lire 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 et 2, Jérémie chapitre 29, le verset 7 et Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, Jérémie chapitre 29, le verset 7, Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu,
Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.